Eh bien salut tout le monde, c'est Choquet0030 et donc on se retrouve pour continuer notre aventure avec les Warriors. Et donc on va aller tout de suite prendre une autre mission, donc niveau suivant, c'est parti, on y va. On va pas perdre de temps. Stay put. Me and Fox is taking the new blood out to see if they as tough as they talk. Hey, give him one for me, Ash. Shit, big man. I won't let you down. You guys better be ready for the real thing. Oh, we ready, War Chief. We ready. Ok. Donc là, ça va chier pour les orphans. Ouais. Donc on va les rencontrer un gang assez faible mais qui compte surtout sur le nombre en fait. C'est leurs fans, ils sont franchement on met deux coups dans la gueule et ils tombent mais ils sont nombreux ces cons là. Alors là on a plus. Attendez. Je baisse le son là, c'est vachement fort le son du train et tout ça là. Ah, je sais pas s'ils vont parler ou quoi, j'hésite à parler, bah j'ai pas envie de les... Voilà. Hop, je peux jouer, ouais. Donc voilà, allez c'est parti. Alors la radio là que vous avez entendu, la femme qui parle en fait c'est celle qui donne des nouvelles au sujet de tous les gangs. Alors, eux c'est les orphans. Et eux, ils ont dit en quelque sorte qu'ils nous avaient pété la gueule alors que c'est pas vrai, que c'est des grosses merdes. Vous voyez, c'est des grosses chiottes. Allez, lui se prend une poubelle dans la tronche. Une deuxième, pourquoi pas. Ouais, c'est vraiment des merdes. Ils sont aussi faibles que les civils presque. Ah, je peux pas en choper un là, laissez-moi en choper un. Oh. Tabasser 40 orphans. Oh. Ah, ils sont tous planqués derrière leur grille là. Ah non, c'est des clodos. Donc il va falloir en trouver d'autres. Est-ce qu'il y a un truc là? Hop, on va prendre ça. Alors, il y a un truc que je voulais vous dire. Ah, lui, il est nul pour voler les autoradios, quoi. Faut même que je vous mette 30 ans. Je voulais vous dire un truc. Je l'avais pas remarqué, ça. Mais vous allez le remarquer sûrement dans les vidéos. Vous avez deux bandes noires en haut et en bas, en fait. Enfin, une en haut, une en bas. Bah, c'est normal, c'est tout simplement parce que... bon, le jeu, j'enregistre... J'ai perdu mon entier, excusez-moi. J'enregistre en HD. Mais le jeu est en SD. En fait, c'est un vieux jeu. Il a pas été remasterisé HD, quoi. Et donc c'est pour ça que bah, l'image est étirée, si vous voulez. Et ça, je l'avais pas remarqué au début. Donc après, j'aurais pu mettre mon HD PVR en lui demander d'enregistrer en SD. Mais le problème, c'est que ça va vous faire des bandes noires en haut. Et des grosses bandes noires sur les côtés, en fait, de façon à rendre l'image carrée.
J'ai pas spécialement envie quoi, j'ai pas spécialement envie parce que bon je trouve que c'est bien comme ça. Même en fait si vous voulez l'image est un peu tassée en quelque sorte. Yeah, thanks for busting Nate's chops. All this hassling and hassling. Je pense pas que ça ça embête trop de monde, enfin j'espère, hein. Dites-moi-le hein, si ça vous fait chier. Ça change pas grand chose, hein. Ça, juste les personnages ils sont un petit peu plus grands, enfin c'est, voilà quoi. Enfin, moi je trouve que c'est un certain charme qu'ils sont un tout petit peu tassés comme ça, je trouve que ça fait, je sais pas. Your office think you're heavy? You think you can take on the Warriors? Then prove it, motherfuckers, prove it! Ok. Voilà, ça va chier des bulles. Bon, on va vite en finir, je pense bien. Ah, les gars, sacré les. Oh la vache. Lui, c'est fini. Oh. Non, mais je vous promets, c'est vraiment des grosses merdes. Voilà, lui, c'est fait. Allez, on les dégomme. Non, ta gueule. Oh là là. Lui, j'ai défiguré. Oh, mais regardez ce massacre, sérieux. Alors, on recommence. Oh! Ça, c'est beau, ça, quand même. 1$, le mec, il est riche. Oula. Allez, balance-lui ta poubelle, là. Allez, je vais le faire. On peut pas... Putain, je peux prendre la poubelle. Tiens. Ah, je crois que je l'ai eu. Ouais. Fouille les dispensaires et cherche les orphans. Ah, vous voyez que c'est vraiment un gang assez pitoyable quoi. Apparemment faut aller là, mais est-ce que attends, on va faire un petit tour quand même. Je sais pas s'il y a des tags ou des conneries comme ça. On a absolument rien. Ici il y a des tas de briques. Non, quand vous voyez des tas de briques comme ça ou des packs de bière, en fait c'est briques illimitées et packs et bouteilles illimitées si vous voulez. Vous pouvez en balancer autant que vous voulez. Mais bon. Ok. Alors ça, le lieutenant des orphans. Ah, c'est le lieutenant. Je pensais que c'était le chef. Ah, poussez-vous. Je sais pas où il est. Putain, là, il y a un vieux clodo. Ah, je commence quand même à me prendre certains pas mal de coups là. Même s'ils font, ils font pas mal, ils font vraiment pas mal, mais bon, à force, forcément. Putain, c'est vraiment, c'est un génocide quoi, c'est un génocide, c'est même pas de la baston. C'est un massacre. Où il va lui? Oh, y'en a un qui est monté là-haut. Oh, sans déconner, y'en a deux là. Voilà, là faut les prendre comme ça et faire... Comme ça, là il résiste pas à ça. Vous les envoyez en bas. Ah si, putain, ils sont là. Ok, on y va. On a 30... J'ai 34 dollars.
J'ai 34$. Je veux voir juste si le mec. Le mec qu'on a vu en haut là, c'est un vendeur de flash ou de. C'est des vieilles bombes de merde. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il y a des gars. Il y a des. Y a pas de, de tag ici, enfin il me semble pas. Enfin, plus y en a, bon merde. Ah, il y a des orphans qui sont venus nous emmerder, apparemment. Ah non. Allez, vas-y, viens là toi. J'ai besoin de ton fric, j'ai besoin de ton fric, reviens. Reviens mec, aide-moi. T'as elle. J'ai une femme qui... Hop. Hop, 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 hop. Oh, c'est qui s'est fait plaquer là? Oh, oh mec, le mec il a frappé une femme comme ça. Franchement, je vais vous dire un truc. Oups, excuse-moi. Les femmes, ça. Alors, c'est con. Je sais pas si c'est du masochisme ou pas. Mais elles sont beaucoup plus faciles à agresser que les hommes. Franchement, c'est dingue. Elles sont vraiment beaucoup plus faciles à agresser. Ouh. Là le mec j'ai fait le coup du lapin. Allez rattrapez moi. Pareil. On dirait que je les tue presque. Ah, il y a le mec qu'on devait choper qui s'est barré. Les gars, allons-y. Ah, 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 ah. Orphans. Non, il va falloir des bombes. Si, il me faut des bombes. En fait, finalement, il me faut des bombes. Quoi, il y a que des femmes dans ce quartier, c'est dingue. Et regardez, regardez, en une seule fois. En une seule fois j'ai pu l'avoir, d'habitude c'est en deux fois que je peux que j'agresse les femmes, les mecs c'est en plusieurs fois des fois ça. 4-5 fois. Là je vais prendre un peu de bombes, le maximum. Voilà. Comme ça j'ai 9 bombes. Enfin je sais pas si c'est nécessaire de prendre 9 bombes mais bon. Mais je crois que Cléon il sait pas se... Attends. Attends, vas-y, attends je vais choper moi. Regardez comme il court cette merde. Oh le con. C'est bon. Eux ils vont les choper. C'est bon, il est chopé. Interrogé. Ah il faut que je le travaille encore un petit peu. Ah ah ah. I can't tell you shit. I can't. C'est bon. C'est bon, on l'a interrogé, maintenant on sait où se trouve la plaque des. Bon l'interrogation s'est faite assez rapidement. Ouh c'est bon, il est mort. Ok. Je suis désolé si je mets un peu de temps là pour les agressions et tout ça, mais il me faut vraiment du fric. Voilà. Oh là là, ça me fait trop marrer. Y'a que 5$, sérieux, ils sont pauvres dans ce pays. Bon allez, je vais aller taguer leur graffiti là, parce qu'à un moment il y en a moins. Leur fan c'est vraiment la tapette. Trouver des graffitis 5. A voir s'il est fort Cléon pour taguer. Oh, je sais pas là, je sais pas trop. C'est bizarre.
ça suffit. Pour faire un W, quoi, tout le bordel, sérieux. Non, tout le bordel. Donne-moi ton fric, bitch. Oh, 9 dollars, c'est bien, c'est bien. C'est un peu rétuitif au niveau des vols, des trucs et tout, mais bon, c'est... Je sais pas quelle est la durée de vie de ce jeu. Sincèrement, j'ai même pas... 15 dollars, ça c'est bon. Ça. Allez, on continue. On regarde un petit peu s'il n'y a pas des tags là. Bon, en fait, les tags, c'est quoi? C'est juste des points en plus, hein. C'est pas... On va aller juste continuer par là-bas un peu, voir s'il n'y a pas autre chose. Ah, orphans. Allez. Oh, je... Voilà, c'est ça que je voulais faire. Depuis toujours. Non, mais il se fout de ma gueule. Non, ouais, là, faut que je m'écarte. Oh, je m'en lance des coups. Je lance des coups de pied dans le vent depuis tout à l'heure. Oh, quand ils vont m'achever à coup de poubelle. Non, mais ils se foutent de ma gueule là. Voilà, ça c'est fait. Ah. Ça c'est bon ça. Bon, on a réussi. Par contre là voilà, j'ai bien fait de... Oh, loupé. Ah, c'est vraiment très dur de... De viser en sautant comme ça. Non mais celui de ma gueule. Oh mais faites quelque chose les gars. Oh là je fuis. Objectif bonus atteint, dégommé. Je crois que c'était 40 orphans, il me semble. Bon, on va les laisser s'amuser, mes potes là. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous défendent dès qu'on est en train de voler un truc. Ils sont là, ils se mettent derrière, ils sont tranquilles, voilà, ils se mettent en position défensive. Personne passe quoi. Ça, c'est cool. On va aller voir le mec. Flash, man. The craziest fucking flash you'll ever try, man. Voilà. Tac. Je lui en rachète. Normalement, devait... Ah, un tag orphan. Oh, en plus, ils se voient vraiment mal. Hein. Ils se voient vraiment mal leur tag. Ah, fuck, fuck, est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que j'ai le temps? Ouais, c'est bon. Vous avez de la chance. C'est qui fuck you, Warlord? Warrior, ça. C'est qui a dit ça? On essaye de regarder un petit peu. Ça c'est fait. Hello there, boys. You look like you need a little upper. S'ils sont aussi visibles que celui-là, on n'est pas dans la merde les mecs, je vous le dis. Ouais, dans les petites ruelles comme ça, généralement ça devrait être... Oh, oh, hey, hey les gars, c'est la première fois que je trouve une machette. Une machette, les mecs. Vous vous rendez compte? Déjà qu'on se bat contre des merdes, alors si en plus on y va à coup de machette... Ah, dégage. Hop. Allez, je regarde, je fais juste un petit tour, hein. Je vais pas, on va pas passer 300 ans, c'est histoire de gagner un peu. Voilà quoi. C'est pour ma conscience, si vous voulez. Sinon, parce que bon, c'est vrai que c'est le style de jeu. Bah, moi, ça me le fait pour à peu près tous les jeux. Hein.
quand je commence un petit peu à si vous voulez tourner en rond dans les jeux vidéo, ça me donne de la nausée. Alors je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais moi c'est vraiment voilà, ça me donne de la nausée, j'aime pas ça. Bon écoutez, on va y aller, on va pas se faire chier, on y va. Vraiment bien regarder en plus. I can't believe that. You're telling me. If I were you guys, I wouldn't even bother. That party was real lame. Holy shit! It's the Warriors! Come on, Orphans. I thought you guys were having... Take them apart! Oh l'enfoiré, attends, il va tâter de ma machette ce con là. Il va où? Chopez-le, mais ça court dans tous les sens, regardez ça, on dirait des lapins. Bon, bon j'attends que ça stabilise un peu là. Alors, y en a un qui s'est fait choper là. Oh. Oh, mais ils courent de partout, regardez ça. C'est... Mais attendez, parce que je crois qu'ils sont réellement paniqués en fait. Ils cherchent pas la basson, ils cherchent juste à s'enfuir, c'est con. Ah, toi! Ah. Oh merde! Oups. Oh putain, je suis désolé. Oh, j'ai dû lui faire mal. Un coup de machette dans la tête. Ah! Ah! Oh putain, il est déjà mort lui. Oh, mais ça rien. Ah! Lui! Attends, je crois qu'on peut l'envoyer. Oh, elle s'est pété la machette, oh, c'est une naze. C'est con dans ce jeu parce que si vous voulez, tous les. Que ce soit les battes de baseball, les couteaux et tout, ils se pètent en 2 secondes. Là, c'est vrai qu'en fait, finalement, c'est un jeu qui est quand même basé sur de la baston pure et dure à coups de poing. Donc c'est vrai que bon, utiliser des bâtons et tout ça, c'est un peu... Et puis c'est moins stylé, c'est moins... Il n'y a pas de coups spéciaux, de combos. Come on, chumps! Let's see some of the moves we heard about on the radio! What kind of chicken shit are the faces on? Come on, man, what are you scared? Chaque fois, je... Je me prends des coups en donnant des ordres, c'est bon. Allez, aide-moi mec, c'est bien. Oh, je pouvais l'agresser. C'est tellement des merdes qu'on peut les agresser, ces cons là. Oh là, tu vas te lâcher. Tu vas lâcher mon pote là. Allez, encore un, encore un. Ah, on ressent... Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que vraiment, on ressent la violence des coups, en fait. On sent que ça fait mal, quoi. Ouais, on sent que ça fait mal. Et lui, il veut que je le frappe. Oh, vous voyez, ça... Franchement, je le plains, là. Même si c'est dans un jeu vidéo, je le plains, le mec qui vient de recevoir le coup de boule, parce que... On peut soulever le truc. Ah, un petit peu de truc. Ils ont qu'un dollar sur eux. C'est vraiment des pauvres. Oh, un tag derrière, on va le taguer. Good job. You guys are real tough. Real big shots. What you say? Well, so where's their leader? Don't you want to teach him a lesson too? You got something to say, say it. We ain't got time for your fucking games. His name's Sully, alright? He's at Frank's auto body working on his car. That dickhead thinks more of that junkie than he does about me, and I don't like it. Let's go. Stupid chick just sold out of man. Let's go wreck his ass. Then you welcome your church. Better make sure this Sully cat understands that he can't be. Oh, elle est où l'autoradio là? Parce que moi je trouve qu'elle est sympa la musique, on va l'embarquer. Ah merde, c'est de la baffe. Ah fuck. Oh
On peut pas la prendre avec nous. Attendez. Ah, c'est parti. Comme ça, on aura la musique. Oh, il y a pas de... Oh, une bombe tag. Faut aller où? Ah, par là-bas. C'est parti. Oh non, la musique elle baisse. Oh, je croyais qu'on pouvait les embarquer. Ah non, elle reste. Ah non, elle s'en va. Oh la merde internationale quoi. Le mec, c'est trop dégoûté, il se jette par terre. Donc on doit aller, je crois qu'on va... On doit aller chez le mécano là, ou le, je sais pas quoi, le mec, le chef, il adore sa caisse là, il se branle devant, enfin on sait pas ce qu'il fait. Et je crois qu'on va devoir lui casser sa voiture et tout, ça va être, drôle. Hey Sully! Holy fuck, they showed! The Warriors? I told you not to do it! Run! Run! Go get him! Listen good, you fucking pansies. It don't matter whether we rumble or not. What the orphans say goes. Who's streets gonna believe? A solid outfit like us? Or some Bush League rejects from the ass end of Brooklyn? Hey, Sully. That's a fine looking car you got going on. What? No! Not my car! Not my car! Orphans! Get them! Ah. Là, on va les laisser se battre. Oula, il y a un marteau. À mon avis, ça va être plus efficace. C'est moi qui m'occupe de la bagnole. Faut aller à l'avant, faut aller à l'avant. Faut lui péter le capot. Voilà. Oh, mais casse-toi, toi. Non, mais sérieux. Ah, faut aller où, là? Ah oui. Tiens. Oh merde. Et après je sais pas. Ouh. D'accord. Peut-être la portière. Ah merde, j'ai plus de... Ok, on va prendre ce bout de bois. Ah merde, on avait un autre marteau. Bon, c'est pas grave. On va taper de ce côté. Oh la vache. Ah, on va pas aller chercher le marteau là. Marteau. Putain, la masse. Ah, j'ai mal aux yeux. J'ai les yeux qui piquent là. Ça m'arrache. Quoi? Tiens, voilà. Fucking small timers. Check it, young blood. Always remember, the Warriors don't let no one mess with our rep. I don't care if they're orphan or a riff. You fuck with us, you get your fucking head split. That's the only way we're gonna come up in this city. Now let's get back to Cole. Voilà. Niveau bonus débloqué. Tous les niveaux bonus, on les fera à la fin du jeu. C'est cool, regardez, je vais vous montrer. Ça fait combien de temps qu'on joue? 29 minutes. Écoutez, je pense que j'ai pas spécialement envie de faire des vidéos trop longues. Et j'ai remarqué, en fait, si vous voulez, que chaque mission qu'on fait a une durée assez limitée. Et donc là, ça ferait une demi-heure. Ça ferait, c'est pas mal, je trouve, pour une vidéo. Plutôt que une heure, et on, ce qui nous ferait terminer au milieu d'une mission, donc ça serait pas, c'est cool, de, ça serait pas cool quoi, je veux dire. Alors je préfère arrêter la vidéo ici, comme ça je trouve que c'est sympa,
Au moins, on va repartir sur une nouvelle mission, sur des nouvelles emmerdes. Enfin, voilà, tout le monde comprendra, quoi. Personne ne sera perdu, même si une personne arrive au milieu du let's play. Voilà. Je vais faire comme ça. Alors, regardez, j'ai découvert, regardez. Découvrez comment Cléon et Vermin ont formé les Warriors. Vous voyez, ça, c'est des missions vraiment enfin, secondaires, je veux dire. Ils appellent ça les flashbacks. C'est un petit peu des missions qui se sont passées avant. Découvrez comment Swan et Cowboy ont rejoint les Warriors. Ça, il me semble que c'est. Vous voyez, il y a la couronne là. Ça, je m'en rappelle. En fait, si vous voulez, ils ont fait un jeu de baston, bien sûr. C'est le roi de la colline. C'est dans une déchetterie, si vous voulez. Et il devait aller. C'était l'équipe qui restait le plus longtemps en haut d'une colline de déchets, en fait, de merde, de carton empilé ou je sais pas quoi, qui remportait. Et donc, faut virer tout le monde à coups de pied. Faut tous les faire. Faut tous les jeter et tout. Il y a plusieurs gangs qui se fight et tout. C'est deux dans chaque gang et tout. Et c'est vraiment le gros bordel. Vous allez voir ça. On le verra à la fin. Et puis après, bon, ça, c'est les petits jeux. Bon écoutez, comme je vous ai dit, je vais arrêter la vidéo ici pour éviter qu'elle soit trop longue et que ça soit chier le monde. Et puis ben, on commencera une nouvelle mission ben, dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.